C'est parti pour les amours, on accueille nos couples du jour. Soyez les bienvenus, Nadine et André. Ils viennent de Rosselange, en Lorraine. Marie-Gaëlle et Anthony, Arles, avec un mariage imminent. Et puis Audrey et Jérôme, Cadujac, c'est l'Aquitaine. C'est une âme pure, il n'est pas à vendre. On ne peut que le louer. Oui, louer, soit Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue, bienvenue sur France 2. Merci d'être là, de plus en plus fidèle chaque matin. Merci au public de nous accompagner, d'apporter cette chaleur. Le public est chaud, certes, mais regardez nos trois couples du jour. Magnifiques, ancrés dans leur fauteuil, comme Jérôme et Audrey. Ça fait 12 ans et 8 mois que vous êtes ensemble. Oui. Déjà. Déjà. On est dans la précision. Alors, vous, vous avez un jeu de jalousie. On essaiera de gratter un peu ça parce que je sais qu'à un moment, Audrey, pour vous rendre jaloux, Jérôme a essayé de vous faire croire qu'elle était avec un Anglais ou je sais pas quoi. Jérôme, pour rendre jaloux Audrey, vous avez envoyé une photo d'une autre nana. Et l'excuse, c'était faut pas qu'elle s'endorme sur ses lauriers. Pour relancer le couple. Il y a d'autres façons de relancer le couple. Hein. Je vois ça. Mais on va voir ça surtout ce matin. On a une demi-heure pour gratter un peu sur vous deux. Bienvenue en tout cas. Marie-Noël et Anthony. Marie-Gaëlle. Je vais prendre mon petit appareil, puisque Anthony, vous êtes... DJ. Wow. Ouais. Ça me plaît, ça. Ouais, j'y ai changé un petit peu la playlist. Il est DJ. Alors, DJ français, à l'instar de DJ Snake et de Kung, ce qu'on vient d'écouter, qui tournent dans le monde entier et qui gagnent des millions de dollars, vous en êtes où par rapport à eux? Un million de moins. D'accord, très bien. Oui, mais vous, vous avez l'amour en la personne de Marie-Gaëlle. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, évidemment. Bienvenue à tous les deux, en tout cas. Et puis Nadine et André. Nadine, oui. Il paraît que vous êtes super mauvaise joueuse. Oui, je l'avoue. J'aime bien gagner. André, je sais quand vous jouez des fois tous les deux, fait exprès de perdre pour vous faire gagner, mais là, non, là vous non, pouvez non, pas. Mais... Ah, non. Ah non, non. Au quartier. Ah, non. Et vous avez vu, ça y est, ça commence. Et on n'a pas encore lancé la première manche. Bah, vous savez quoi, on va le faire maintenant. C'est parti. On fait le même boulot, animatrice, vous c'est pour enfants. C'est ça. Marie-Gaëlle, vous travaillez dans le milieu médical. Oui, je suis coursier médical. Et vous Nadine, vous êtes retraitée. Voilà. Nickel. On profite. Ah oui, oui, oui. On y va avec la première question. Oui. Eh bien c'est parti. À quelle occasion votre chéri vous a-t-il bien fait rigoler? Il a voulu me montrer, c'était au début de notre relation, il a voulu me montrer comment il jouait du nunchaku, là, je sais pas. Du nunchaku. Nunchaku. Ouais. Et évidemment, très content, très fier de lui, mais ça faisait des années qu'il avait pu pratiquer. Et il s'est assommé avec Ah, beaucoup. Il était violet, rouge, vert, j'ai dit il va s'arrêter, non, il continuait. Mais alors le lendemain au boulot... D'accord. Ouais. Donc avec le nunchaku, Nadine, c'est noté. Marie-Gaëlle. C'était au début de notre relation aussi. En fait, il a voulu m'envoyer un sexto. Mais sexto, bien... Bon, il ne rentre pas dans les détails, oui. Et il s'est trompé de destinataire. Il l'a envoyé à son ex. À son ex? À son ex, la mère de sa première fille. Et alors, elle l'a pris comment? Ben, elle a rigolé, elle. Hein. Elle a dit, je sais que... Il a dit, désolé, c'était pas pour toi. Elle a dit, oui, je m'en doutais. Et voilà, c'était vraiment ah oui, c'est gênant. Mais, oui, c'est ça. Mais ça m'a bien fait rire. Gênant, oui. C'est le mot. Oui. Le sexto à la mauvaise personne, c'est noté. Audrey. Pour moi, c'est la fois où il est allé dans le jardin pour faire pipi. Il aime bien aller faire dans le jardin. Et j'étais au niveau de la porte, il se retourne, il me fait « Chérie, manque de peau, il y avait la voisine qui était devant, qui en a profité autant que moi. » Ah là, t'es nickel, c'est beau. Elle s'appelle comment la voisine? Je sais pas, je lui adresse pas trop la parole, je limite. D'accord. Ben là, forcément, du coup, ça crée des liens. Oui. Deuxième question, Marie-Gaëlle. La première fois... que vous avez laissé votre chérie seule avec vos parents. Vous étiez sereine, ils vont bien trouver un sujet de discussion.
Vous étiez angoissé pourvu qu'il ne parle pas du nombre de mes liaisons, ou vous étiez impatiente s'il sort indemne de cette épreuve, c'est sûr, c'est le bon. Alors sans hésitation, la première. La première. Ouais, sereine. Ouais. Oui. Ils s'entendent bien avec papa, maman. Très très bien. Aucun problème. Aucun problème. Audrey. Sereine. Sereine. Oui. Pareil, pas de souci avec beau papa, belle maman. Non. Non. Nadine. Serein. Serein. Très bien. Serein. Troisième question. Dans ce genre de situation, Audrey, votre chérie est souvent obligée de voler à votre secours. De quelle situation s'agit-il? Je suis mise catastrophe, surtout sur les pistes de ski. Ah. Ça fait des années qu'on va au ski. Et je skie toujours aussi bien en chasse-neige. Le planté de bâton. C'est ça. C'est ça. Chasse-neige, Audrey, c'est noté. Nadine. Le sens de la rotation. Alors là, c'est une catastrophe. Ah, ah oui, moi, je ne me souviens jamais. Pour arriver chez lui sans me tremper 6 fois. Et là, il habite loin de chez vous? C'était à 10 km. D'accord. À côté de Luxembourg. Sens de l'orientation. Vous avez dû être ravi le jour où on a inventé le GPS. Hein. Je ne sais pas m'en servir. Ah non plus, d'accord, très bien. Ah ouais, donc vraiment, vous n'y mettez pas du vôtre. Non. Nadine, le GPS, l'appareil dit dans quelle ville vous voulez aller. Vous mettez le nom de la ville, l'adresse. Oui. Oui. Et vous appuyez sur hop, en route. Il faut mettre les lunettes. Je ne mets pas mes lunettes. Ah, ben si GPS... vous conduisez sans les lunettes, c'est bien. Le GPS parle aussi, avec cette voix guirette qui fait « Oh, prochain rond-point, tournez oui, à non, gauche ». Oui, non, mais moi, j'ai pas confiance. J'en veux pas. Marielle. Alors moi, je dirais comme je viens d'avoir une grossesse, j'ai souvent mal à ma sciatique. Mm-hmm. Et du coup, quand je suis bloquée, il me fait tout à la maison. Donc, les tâches ménagères, le ménage, Marielle. Des enfants, il fait le massage. Wow. Est-ce que de temps en temps, et ça reste entre nous, est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas une statique qui apparaît en mode pas vraiment, mais histoire d'eux, quoi? Hey. Non, jamais, jamais. Hey. Et j'ai souvent la sciatique, donc c'est souvent. Bon, et bien écoutez, on va voir si vos Super. Chéris répondent la même chose que vous. Ils reviennent. Audrey et Jérôme, la rencontre, c'était comment? C'était où? C'était quand? C'était dur. Non, je travaillais tout simplement. J'étais responsable dans un bar sur Bordeaux. Oui. Et donc, c'était une cliente. Et c'est elle qui est venue me draguer. Vous confirmez, Audrey? Parce que souvent, les garçons... Ah, ouais. Oui, quand je suis rentrée, j'ai en vu, flash. J'ai dit ouvertement, lui, je le veux, je l'aurai. Je le veux. Mais alors, il était pris ou pas à cette époque-là? Il était barman, ça veut tout dire. Ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, j'étais très sérieux. Mmh. Et donc, j'ai joué mon rôle à fond de barman. C'est-à-dire que, elle venait, elle commandait des verres. Et chaque fois, les petits mots gentils et tout. Et moi, à chaque fois, j'avais le grand smile. Mmh. Je me servais le petit mot gentil, mais jamais plus, quoi. Oui, et au bout de combien de temps vous avez dit « Ah oui, quand même » Ça a duré presque un mois. Et il a fallu qu'elle me fasse une soirée où elle a invité un Anglais. Et moi, j'étais rugbyman. Donc, enfin, je suis toujours rugbyman. Ah, mais, c'est le fameux moment où vous avez voulu le rendre jaloux. Très bien. Jaloux avec un Anglais, et c'est vrai que bon... Ah ben ça, pour un rugbyman, hein, qu'on va mettre en concurrence avec un Anglais, c'était... C'est le moyen. Ouais. Mais ça a marché, la preuve. Oui. Première question, Jérôme. À quelle occasion avez-vous bien fait rigoler votre chérie? Je pense, dès qu'on fait une soirée, enfin autre, j'aime bien me déguiser, j'aime bien faire un peu le con, pour faire des concours dans des campings, dans soirée. Et je pense que c'est ça, c'est voilà, ce côté-là où j'aime bien faire rigoler. Côté déguisement. Oui. Audrey, ça va pas le faire. Oh, oh. Ah. Non, mais... Le petit pipi dans le jardin avec la voisine qui regarde. La voisine, elle a tout vu. Allez, on l'embrasse. Anthony. Alors, j'hésite entre deux propositions. En fait, voilà, j'aime bien faire dire des bêtises à longueur de temps, quoi. Je peux faire rimer, je sais pas moi, Avignon avec Tartampion, mais c'est des trucs tout bêtes, quoi, Bruno. Et donc, c'est très bien, ça, comme voilà, c'est... Non, mais c'est pourri. Pascal, je la note. Notez-la, celle-ci, parce que c'est au-dessus du niveau que vous utilisez parfois. Je vous confirme. Merci, Anthony.
je la replacerai. Ah ouais, je peux le faire rimer avec l'île de Ré. Ouais, bien sûr. Et une autre, c'est ma force de super-héros. J'ai un super-héros, c'est Slipman. C'est un caleçon que je mets sur la tête. Ouais. L'autre, la version Obélix. Ouais. Et je peux débarquer n'importe quand. D'accord. Donc, c'est-à-dire que t'es aux toilettes. Ouais. Non, non, ben non, non. Non, c'est non, 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 non. Je ne vous chauffez pas. Je ne peux pas piler les jambes, je ne peux pas. Donc, Slipman, j'aime beaucoup. Donc, bah, je vais dire Slipman. Slipman, Marielle nous a parlé. Le sexe. Ah. Sexto de son ex. Ah. Le sexto à votre ex, c'était pas mal ça aussi, dans l'idée. C'était en Slipman ou pas le sexto? Il y avait c'était... moins de slip. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il y avait moins de slip. Bon, André. Dans le temps, j'ai fait, avant de pratiquer le sport que je fais depuis 30 ans, le tir au pistolet, que madame fait également, j'ai fait un petit peu de sport de combat, dont le nunchaku. Ouais. Et un jour, en balayant un petit peu, j'ai retrouvé mon nunchaku. J'ai commencé, ping. Et j'ai recommencé. Ouais. Puis là, elle a éclaté de rire. Nadine, le nunchaku, ça marche. Il y a une vidéo sur YouTube qui a fait plusieurs millions de vues où on voit un gars justement face caméra qui arrive avec son nunchaku, qui s'en met un gros coup dans la tête et qui, l'espace de 3 secondes, fait genre the show must go on. Et puis, il s'écroule dans le décor 4 mètres derrière parce qu'en fait, il est complètement sonné. Mais il a quand même 2 secondes de ça, je tiens toujours. Il n'y a pas de problème. Anthony, deuxième question. La première fois que votre chérie vous a laissé seul avec ses parents, elle était sereine. Bon, ils vont bien trouver un sujet de discussion. Elle était impatiente. S'il sort indemne de cette épreuve, c'est sûr, c'est le bon. Ou alors, elle était angoissée, pourvu qu'il ne parle pas du nombre de mes liaisons. Alors, sans hésitation, sereine. Sereine. Ouais. Les beaux-parents sont cool, elle nous l'a dit. Pas de soucis. André, elle était comment, Nadine? Sans hésitation, sereine. Sereine, Nadine. Celle-là. C'est celle-ci. Et c'est ça. Jérôme. Pourquoi faire différent? Je veux dire sereine aussi. Mais vous avez raison, bien sûr. Bah, pourquoi faire différent? Parce que je pense que vous n'avez pas les mêmes beaux-parents, sinon on ne m'a pas prévenu si c'était un lien de parenté entre tout le monde. André, dans ce genre de situation, vous êtes souvent obligé de voler au secours de votre chérie. Selon elle, de quelle situation s'agit-il? Les nouvelles technologies, elle n'est pas trop au fait de ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui est téléphone, tablette, etc. Non. Ordinateur, parlons même pas de tablette. Oui. Chérie, j'ai besoin de toi. Et n'écoutant que mon courage, je m'en occupe. Alors, on n'est pas loin, on est dans le sujet. On va vous demander une précision. Un objet technologique en particulier. On est gentil, on essaie de vous aider. Entre les deux, je dirais le téléphone portable. Dommage. Nadine, elle nous a parlé. Le GPS. Du sens de l'orientation, le GPS, entre autres. Quand même. Pour arriver chez toi 6 fois, hein. Quand même. Jérôme, de votre côté, alors. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui la gêne, c'est dans le quotidien, tout ce qui est côté français. Mm-hmm. Parce qu'on a une fille qui est en littéraire, qui aime bien la taquiner sur, en parlant avec des mots des fois un peu compliqués. Ou, un langage un peu empoulé. Voilà. Encore eut-il fallu que vous le sachiez. Et donc, des fois, quand on lui pose des questions, elle me regarde avec un air interrogatif. Viens à mon aide, qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets. Et donc, du coup, j'essaye de reformuler ou de replaisanter en formulant autrement. Donc, j'aurais dit, voilà, sur le côté français. Et là, Audrey qui dit, super, je suis en train de passer pour une imbécile à la télévision. Pour la blonde de base. Je ne regrette pas d'être venue, en tout cas. Non, elle est partie sur le ski, Audrey. Que tu râles en longueur de temps. Hein, je suis un boulet. Élevée dans les montagnes, au bout de 12 ans qu'on fait du ski ensemble, elle n'arrive toujours pas à skier. Donc, elle fait du chasse-neige. Elle a pris des cours, je lui ai donné des cours. Et nos enfants qui, eux... Enfin, c'est impressionnant. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est planter le bâton. Bien sûr. Bon, Anthony. Ouais, alors moi, je dirais que Marie-Gaëlle est assez poisson rouge. C'est-à-dire... Elle n'a pas de mémoire. Elle n'a pas de mémoire. On l'appelle souvent Dory dans le métier, comme on dit. Donc, je suis un peu son émo, disons. Donc, le souvenir des dates, des horaires de rendez-vous, Non. C'est pas ça? Ben non.
Non, je ménage. Ah oui, oui. Non, elle nous expliquait qu'elle avait des petits problèmes de dos suite à son accouchement et que vous étiez là pour l'aider quand tout on en avait besoin. Et je laissais sous-entendre que des fois, peut-être qu'elle mimait un peu trop la douleur pour avoir du rab. Elle nous a dit non. Elle nous a dit non, jamais. Non. Et donc, on la croit. 5 points pour les bleus, 5 points pour les jaunes et 15 points pour les rouges. Voilà en tout cas les scores à mi-parcours avant la deuxième manche. Le temps de parler des prochains castings des amours, mon Pascal. Oui, Bruno, on va aller à Paris, région parisienne. Ce sera le 14 juin. Ensuite, on part chercher nos futurs couples à Amiens et Orléans. Soyez-y le 17 juin. Notez bien qu'avec votre webcam, eh bien, vous pouvez depuis chez vous passer les castings des amours toute l'année. Vous allez sur notre site France.tv. Et puis, on a un cadeau pour nos couples. On vous offre un livre photo Pixum pour réunir vos plus beaux souvenirs dans un album photo exceptionnel. Jérôme, conducteur de train. Conducteur de train, tout à fait. D'accord. Anthony, vous êtes DJ, on l'a dit tout à l'heure. André, vous êtes policier. Tout à fait. On y va pour la première question ? Ouais. Eh bien, c'est parti. Sur ce coup-là, vous vous êtes montré un chouïa radin, André. À quelle occasion, selon votre chérie ? Est-ce que vous êtes radin, déjà, de base ? Un sou est un sou. Donc, vous êtes radin ? On ne dépense pas pour faire n'importe quoi. Oui. Non, je dirais... Allez, elle est née le 17 février. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. Oui, allez, vous faites un... Bah, pourquoi faire deux cadeaux alors qu'on... Oh, donc, on n'en fait que... Ouais, mais non. Mais non. C'est comme les enfants qui sont nés le 27 décembre, avec lesquels on leur colle leur Noël. C'est horrible. Bah, le père à madame est né le 26 décembre. Alors. Ouais. Ou le 25, je ne sais pas. Et donc, du coup, c'est pareil, vous faites Noël et cadeaux d'anniversaire en même temps. Bah, d'accord, les cadeaux groupés, en fait. Bon, donc, par rapport à ces anniversaires collés avec la Saint-Valentin. Éventuellement, oui. Anthony. Alors, moi, je dirais pas que je suis radin, mais je regarde aussi beaucoup le porte-monnaie. Ouais, donc vous êtes radin. Je suis économe, ouais, oui, ouais, radin. Ouais. Radin, donc, ouais, c'est ça. Et en gros, ouais, je vais faire comme mon collègue. Donc, à la Saint-Valentin, j'ai rien fait. Pas un restaurant. Attendez, pas... c'était par rapport à l'oubli ou par rapport à l'argent ? Non, pas par rapport à l'oubli. Par rapport au porte-monnaie, bon, je regardais un peu. D'accord. Voilà. Donc la dernière, ça va longtemps. Ma présence suffira à la combler. Un petit plat au micro-ondes, un bon programme télé. Allez hop. Exactement. Et en avant Guingamp. C'est bien. Jérôme. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, je vais faire comme mes collègues. Malheureusement, j'ai parlé de la Saint-Valentin aussi. Oui. Parce que je pense que le fait le plus marquant, c'est que ma femme est née le 15 février. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. Ah, et vous faites comme André ? Et en fait, quand on s'est connus, je jouais au rugby. Donc maintenant, je suis arbitre. Et je joue au rugby et les entraînements, je ne les loupais pas parce que je jouais quand même à haut niveau. Ouais. Et du coup, même s'il y avait Saint-Valentin, j'allais à l'entraînement. Du coup, on faisait à Saint-Valentin, à la sortie de l'entraînement, donc sur Bordeaux, on a des restaurants qui ferment tard. Donc on avait toujours le même restaurant. Donc je fêtais à Saint-Valentin au restaurant. Du coup, quand ça passait minuit, c'était son anniversaire, je lui faisais un petit cadeau pour son anniversaire. Bravo. Sauf que... Sauf que, attendez, parce qu'il y a la suite. Ça, c'était avant. Voilà. Sauf que j'ai osé de lui faire ça aussi pour les fiançailles. C'est-à-dire que j'ai fait à Saint-Valentin au restaurant. Oui. À partir de minuit, je lui ai offert sa bague. Oui. Je lui ai offert une bague classique pour son anniversaire. Oui. Et puis, elle est partie aux toilettes. Et quand elle est revenue pour le dessert, en fait, pour le dessert, je lui avais prévu aussi une bague de fiançailles. Oui. Donc, en fait, j'ai fait un 3 en 1 dans la même soirée. Et, mais il y avait les cadeaux, quand même. Ah oui. Ouais, vous n'avez pas été radin complètement, parce que... Il y avait quand même les bagues. Vous pensez qu'elle va penser à cette soirée ? Oh, je pense, oui. D'accord. Parce qu'elle me dit toujours que j'avais condensé tout en une seule soirée. Que, bon, c'était une belle surprise. Oui, mais s'il n'y avait eu qu'un seul cadeau, à la rigueur, je peux comprendre. Mais là, il y avait quand même... Mais bon, écoutez, partons là-dessus. C'est, disons qu'on avait fait tout. Je lui avais tout fait en même temps, d'accord, en même restaurant. Et le 3 en 1. Voilà, 3 en 1, économiser une soirée. Une soirée pour la Saint-Valentin, une soirée pour l'anniversaire, une soirée pour la fiançailles. Oui, c'est vrai qu'en y repensant, c'est quand même un peu radin. Anthony, imaginez, vous avez de nouveaux voisins et vous apprenez par les commères du quartier que chez eux, ils pratiquent le naturisme. Le jour où ils vous invitent à la pendaison de crémaillère, la réaction de votre chérie, c'est quoi ? Elle décline et elle leur dit que franchement, le naturisme, c'est dégoûtant. Ou alors elle prétexte un empêchement. Oh, ben c'est dommage, si encore vous nous l'aviez dit hier, quand même, c'est ballot. Ou alors elle confirme avec joie votre présence, ouais, et on amènera le dessert. Ouais, confirme la présence.
Elle confirme la présence. Ouais, ouais, ouais. Naturisme, pas de problème. Pas de souci. Jérôme. Pour me faire plaisir, elle acceptera de... Pareil. Elle confirme avec joie votre présence. Confirme avec joie. Naturisme déjà pratiqué? Moi, oui. D'accord. Oui, dans son jardin. Tout à fait. André. Oh, c'est dommage si vous me l'aviez dit plus tôt. Ah mince, ouais. L'excuse, elle prétexte un empêchement. Tout à fait. La troisième question, Jérôme, c'est la question bonus. Lorsqu'en soirée, les potes discutent endurance au lit, vous êtes du genre à dire les choses honnêtement, à vous vanter comme c'est pas permis, ou à vous faire tout petit? Moi, je dirais à me vanter. À vous vanter? Devant les copains. Ouais. Toujours un petit peu, c'est normal, on est entre hommes. D'accord. André? À dire les choses honnêtement. À dire les choses honnêtement. Ouais, c'est-à-dire que je suis bon. Eh bien, dans ces cas-là, l'honnêteté, évidemment. L'honnêteté, Anthony? L'honnêteté aussi. L'honnêteté aussi. Propre. Est-ce que l'honnêteté paie? C'est ça la question. Ah, bah, la réponse, on l'a tout de suite. Vos chéris reviennent. Sur ce coup-là, votre chérie s'est montré un chouillard radin. Mais c'était à quelle occasion, Audrey? Donc, il n'est pas radin, normalement. Mais je peux dire qu'une fois, on peut dire que tu as été radin. C'est la fois où c'était la Saint-Valentin. Il m'a invité au resto pour la Saint-Valentin, mais avant, il était à son entraînement de rugby. Nickel, c'est pas grave. Le lendemain, sachant que c'était mon anniversaire, on est encore au resto. Mmh. Ça marche. Et en troisième, eh bien, il m'a demandé en mariage ce jour-là. Trois restos. Un trois en un. Voilà. Un petit combo. C'est ça. Il a gagné deux restos. Voilà. Jérôme, le 3 en 1. Le 3 en 1. Eh bien, c'est une bonne réponse, mon frère. Sérieux? Ouais. Moi, ouais, tu fais. Quand on est puissant, ta tablette. Wow. C'est ce que je voulais faire. Marielle. Je dirais, par rapport à son matériel de sono, quand il doit s'acheter quelque chose pour lui, pour sa musique, il va toujours chercher les bonnes occasions ou faire des échanges avec d'autres DJ, tout ça. D'accord. Voilà, par rapport au boulot, voilà, et à son métier de DJ, ouais. Anthony. Ça s'appelle l'abnégation. De quoi ça? N'importe quoi, toi. Mais il paraît que vous n'avez rien eu à la Saint-Valentin. Non, ça n'a rien fait. C'était moi, là, c'est moi. C'était moi, Valentin. Elle ne s'en rappelle plus, elle fait Doris. Elle ne se rappelle plus des dates, des années. Ouais, bah, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Enfin, là, ça devient, c'est 1515 Marignan. C'était pas il y a deux. C'était pas. C'était ça. Non, non franchement, je n'aurais pas pensé. Bon, et, bah, et du coup, vous en kikinez pas, hein, l'oubli. Après, Anthony, on fait pas de. Nadine. C'est difficile aussi. Avec moi, il est paradin. Oui. Mais moi, je dirais plutôt, quand il s'achète des vêtements, il regardera les soldes. Donc, pour lui, il sera radin. Pour lui. Pour regarder ses vêtements. André? Bah non, comme t'es né le 17 février. Pour la Saint-Valentin, t'as qu'un seul cadeau pour les deux. Patate. Ah oui, aussi. Alors, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Patate. Ça va changer. Patate. Ça va changer. Ça va changer. Marie-Gaëlle, imaginez, vous avez de nouveaux voisins et vous apprenez par les commères du quartier que chez eux, ils pratiquent le naturisme. Le jour où ils vous invitent à la pendaison de crémaillère, vous allez réagir comment? Vous confirmez avec joie votre présence et vous dites même « on apportera le dessert » ou alors vous prétextez un empêchement en mode « oh ben, c'est dommage si vous nous l'aviez demandé hier » ou alors vous déclinez et leur dites franchement que le naturisme, c'est dégoûtant. Moi, je confirme direct. Vous confirmez direct? Ah, oui. Elle est motivée, Marielle. Lui, moi, mais... Ah, oui. Bon, et vous alors, Nadine, les voisins naturistes, vous confirmez votre présence? Vous prétextez un empêchement ou vous déclinez? C'est dégoûtant. Bah. Non, moi, je confirme. Vous confirmez. Curieux. André? Yeah. Hein? Tu irais? Bah, bien sûr. Mais il est pas bien. Oh. Il est pas bien, il a peut-être pas envie d'aller à poil chez les voisins. Il fait sa mijaurée. Tu vas à poil chez les voisins, toi. Oh. Ah non, t'as tout faux. Audrey, alors? Connaissant l'ancienne vie de mon mari, je confirme. Vous confirmez, Jérôme. Eh ben voilà.
Ça vous place en tête les bleus pour l'instant avec 20 points, suivi des rouges avec 15 et des jaunes avec 10. Tout va se jouer avec la question bonus, ça tombe bien, elle arrive juste après ça. Marie-Gaëlle, lorsqu'en soirée, les potes discutent endurance au lit. Anthony est du genre à dire les choses honnêtement, à se vanter comme c'est pas permis, ou à se faire tout petit. Non, il va dire les choses honnêtement. Il va dire les choses honnêtement, Anthony. Il est comme ça, il est cash. Et l'honnêteté paye. Vous marquez 15 points. Nadine. Oh, il va rester naturel. Toujours, il va dire les choses. Il dit les choses honnêtement. Ouais. André. Bien. Ah, quand même. C'est vous qui avez la pression, André. Ouais. Faut que vous marquiez. Il est honnête, il dit les choses comme elles sont. Il dit les choses comme elles sont. Oui. Jérôme. Oh, sérieux ? Jamais en soirée devant les copains, on est toujours en train de rigoler, de il se vanter, faire celui qui a la plus grosse. Ah, du coup, la situation s'est inversée. Les bleus, vous avez 20, les jaunes, 25, et les rouges sont les amours du jour. Yeah, avec 30 points. Ça s'est joué à ça. Audrey, Jérôme, Marielle, Anthony, merci d'être venus. Voici vos cadeaux. Spartoo.com vous offre 240 euros pour vous habiller des pieds à la tête. Faites-vous plaisir parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Nadine, André, c'est votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Il est à la cool, André, il est comme ça. Oui, ça va, détendu, vraiment. Oh, Le but, c'était d'arriver en finale. Eh bien, oui, but atteint. Mais bon. Maintenant, ce qui est bien, c'est de la gagner. Voilà. André, Nadine connaît-elle top l'heure à laquelle vous vous levez le matin? Oui. 6 heures. Le personnage célèbre que vous auriez rêvé d'être? Non. Votre taille de t-shirt en lettres? Oui. M. E-L. L'odeur que vous aimez sentir dans la cuisine? Non. Votre série américaine préférée? Non. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Pommes de terre? L'acteur que vous détestez? Non. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Téléphone? L'autre. Votre groupe sanguin? Oui. A positif. La nationalité de la voiture que vous rêvez d'avoir? Oui. La quoi? La nationalité de la voiture qu'il rêve d'avoir. Allemande? Ben non. L'âge que vous aviez à votre rencontre? Oui. 46. Votre sport collectif préféré? Non. Oh, c'est ta faute! Pourquoi? C'est moi. La voiture, c'est pas une allemande, c'est une américaine. Oh, hein, c'est moi, du moment qu'elle roule. Non, je lui en veux pas. Bon. Oh non, les voitures. De toute façon, vous avez quand même ce cadeau, regardez. Eh oui, Nadine et André vivaient un séjour insolite et ludique en famille grâce à Défi Planète, en plein cœur d'un parc naturel. Profitez d'une expérience de bien-être unique. Vous avez gagné un week-end. Un bisou. Mais si, André, vous avez perdu la finale. Oui. Alors vous n'avez pas la semaine de vacances, mais vous avez quand même un week-end qu'on vient de vous décrire. Oh, elle n'a pas vu. Elle a pas vu. Mais on va lui remettre quoi? Je dis à Nagui de commencer son émission parce que sinon il va pas le faire. Nagui, c'est bon, tu peux y aller et nous, on revient très vite. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv.